Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de la démo de Fields of Mystria. Encore un farm team, oui, il y en a beaucoup hein, cette semaine. Solo, qui doit sortir le 5 août 2024, donc il a une date très précise, les loulous. Il va sortir en early access et il sera disponible qu'en anglais. Pas de prix à vous annoncer, c'est développé et édité par NPC Studio. On pourra jouer à la manette, on pourra aussi sur la version complète, enfin sur la version qui va sortir en Early Access, rebind les touches, c'est indiqué dans les options là actuellement, mais sur cette démo ce n'est pas le cas. On va se lancer, vous verrez que c'est du farm sim un peu à l'ancienne et à la Stardew Valley en termes de représentation. Et on va voir un peu ce que ça donne. On est sur la petite intro. Il a l'air de pleuvoir et de faire orage. Donc Eiland qui rentre et qui nous demande si, donc c'est sa sœur, on travaille. Adeline. On est sur des blablabla. Ça ne plaira pas à certains. Il y a un plan de revitalisation de la ville à venir. Elle a catalogué les dommages du tremblement de terre et listé les réparations nécessaires, les nombreuses réparations nécessaires. Elle a fait aussi un plan avant la fin de l'été pour restocker les trucs d'urgence. La seule chose qui manque maintenant, c'est de l'aide. J'imagine que l'aide, ça va être nous. On va sûrement, ils vont sûrement trouver quelqu'un pour les aider, hein, à la guilde de je sais plus quoi, en ville. Et donc on crée notre personnage sur lequel à première vue j'ai pas trop le choix. Enter your name. On va quand même s'appeler Soma. Hein. Alors tout à l'heure j'ai dit l'été, c'était l'autre, le printemps, hein, pardon. Ça va être les loulous, comme toujours maintenant, ou quasiment toujours. Les pets ne sont pas valables. Et donc là, on va se faire un petit gars. Changer peut-être de tenue aussi. Voilà, on fait carrément ça. Oh ouais, carrément ça. Incroyable. Et on start la game. Non mais quand même. On a une tête de champion. Salut mon gars. Le pont est légèrement pété, hein. Ça n'a pas l'air de le gêner, tant mieux. C'est le... Voilà, la route est bloquée depuis le tremblement de terre. C'est un marchand. On va pouvoir faire ça, nous. Apparemment, oui. Et en plus, on saute beaucoup plus loin. Non, mais.
C'est bien nous, Soma. Alors, classique, hein. Notre ferme, coffre de vente. La petite parcelle de culture qui va fort déblayer. Adeline. Qui nous vire. Pas besoin d'aide. Oh la vache! Elle est en train de tout péter, quoi. On va pouvoir rentrer voir l'intérieur. Qui est un peu plus sympa, clairement. Bienvenue dans ta nouvelle maison. C'est mignon. Allez, yes. Donc notre journal, on peut écrire ce qu'on veut pour enregistrer notre histoire et notre nouveau lit. Il faut se coucher avant 2 h du matin pour gagner notre stamina. Un coffre de stockage, le calendrier, pardon, et un coffre de stockage. Et c'est fini pour le tour. On pense que tu dois avoir faim. Il nous file une soupe de légumes. Elle nous souhaite la bienvenue. Et on se reverra demain pour commencer à discuter des plans pour la restauration de la ville. Donc en attendant, est-ce que je vais enfin avoir la main? Pas du tout. J'ai pas eu la main encore une seule fois sur le jeu. Sur les 5 premières minutes. Next phase démo. Welcome to Field of Mystria. Cette démo nous permet de jouer 3 jours d'in-game. Très bien. Il y a plusieurs objets et bonus dans le coffre de stockage pour démarrer. Les mines sont débloquées, donc on peut aller les explorer. Il y a 200 magies qui ont également été débloquées en avance pour les essayer. Et le mana se restaure un peu chaque jour. Donc, the full restore spell has been pined for you. C'est un soin. Et le spell de croissance, donc le sort de croissance peut être je sais pas quoi de notre journal. Eh bien, de rien. Et j'ai enfin la main. Il faut que je passe en QWERTY. Donc ici, on peut sauvegarder notre partie. Ici, on a donc le calendrier. Un coffre de stockage avec. Avec tout ce qu'il faut là où il faut. Mais, inventaire, c'est quoi notre inventaire? On a la map, on a ceci. Ah, j'ai pas accès encore à C. Par contre, attendez, j'essaye de trouver mon inventaire. Parce qu'en fait, j'aimerais mettre ça là. J'ai pas de hache à première vue. Une houe, des graines de tulipe. Mais carrément. Bonjour voisin. Qui nous file un arrosoir. Et des graines.
J'ai assez de place pour prendre tout ça là? Et on peut expand avec une pelle. Donc, voilà, le problème, c'est que j'ai pas assez de place. Du coup, je vais remettre ça. Là-dedans, ça c'est quoi ça? Ah, d'accord. Ah bah oui, ça va aller mieux en fait. Très bien. Alors, c'est bizarre, mais j'ai pas de... J'ai pas de hache. C'est assez étrange. Nickel. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ici? Au nord-ouest. Au sud-ouest, la plage. Au nord-ouest, The Narrows, le musée et les mines. J'avoue que j'aimerais bien aller voir les mines directes. Narrows. Et avec un peu de chance. Ça, c'est le musée. Ok. L'entrée des mines. Ascenseur. Ok. 95 étages. Ah, regardez. Par contre, comment on...
Ah, on peut sauter. Faut pas se louper par contre, hein. J'ai pas fait attention si le fait 43 de se battre consommait de la stam. Alors je dirais que non, mais je suis pas sûr. Ok, donc on récupère nos premiers cuivres. Oh, il y a des coffres, hein, trop bien. On va prendre notre épée et on va descendre. Ah non, si, j'avais trouvé le trou. Ah, regardez ici. Ok, il y a ce genre de petites choses aussi. Alors, on est à 21. Et on est toujours à 21. Donc ça, c'est nickel. On trouve des rubis. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ok, ce... La déco. Qui s'éteignent, j'imagine, pour le taper. C'est totalement ça. Bah, franchement, c'est. Je trouve très très cool. Très très cool le jeu. Franchement, je suis pas déçu. Alors, je sais pas ce qui se passe si on reste dans l'eau. Mais bon, j'ai pas envie de trop le savoir non plus. Alors, la mine, elle est bizarre. Elle est pas à côté, quand même, mine de rien. On est ici. Ok. Elle est effectivement pas à côté. Bizarre là. Servons des recettes de craft. Je pense que c'est ça, hein, la suite du chemin. Benji ici. Le marchand. Ok. Où est ma ferme? Là, c'est la ville. Je descends en fait, hein, je pense. Ah, j'ai plus de place. Et je suis chez moi. Ok, donc ici. On va refourguer des trucs, on verra bien ce qui se passe. La pierre précieuse, ça c'est un animal qui me l'a donné. On va revendre les plantes.
Fait quoi ça? Plus 3 de vie, plus 3 de... Ok. Ouais, bon. Ça, c'est tellement mieux. Potion de mana. J'ai un fil à papillon, hein. J'ai un filet à papillons pour les animaux. Ouais, je reteste, vite fait, si j'en croise. Voilà, la canne à pêche aussi. On va tester la pêche, les loulous. J'ai vu un poisson là. Pas comment ça marche. Tout simplement. Ok. Il est 20 h. Nous ont dit 2 h du matin. Ça vaut 100, ça? J'y avais pas pensé à ça non plus. On m'a plus croisé d'insectes. Bon bah tant pis, on va rentrer parce que le temps défile vite quand même. Le temps défile très vite. Ah, j'ai plus de stamina. Mince. Eh bien, go dodo, hein. Oui, go sleep. Oui, on est bien fatigué. On a sacrément bossé quand même, hein. Donc on a vendu pour 208, total 3, ça je sais pas ce que... Ah, il y a des trucs qui donnent cette monnaie. Il y a un level de ville. Il a l'air de pleuvoir. Du coup, pas besoin d'arrêter les cultures, d'arroser les cultures. Ah, nous file la hache. Enfin. Waouh. Donc c'est Caldarus, le gardien mythologique de Mystria. Elle nous dit de garder notre hache. Parfait. Donc, on a un courrier. Visitez le musée. Très bien, on va aller voir ça. Et donc ici, je voudrais mettre ça là. Je voudrais mettre ça ici comme ça. Donc du coup, voilà, tout ça est déblayé. Ladybug, une coccinelle. J'ai regardé des fois qu'on pourrait l'amener au musée. Alors le musée, on n'y était pas très loin tout à l'heure. Hein.
Petal Hooper. Alors, juste. Ok. Les oiseaux, je peux rien en faire. Donc, le musée, il était logiquement par là. Il est là. Soma, bienvenue, bienvenue. Je suppose que c'est par rapport à ma lettre. Excellent. Ok, des objets d'antiquité. Enfin, des objets antiques. Et on pourrait les mettre au musée pour montrer les spécimens. Donc des plantes, des poissons, des insectes. Yes. Alors, open the museum menu by interacting with museum ledger. Ok. Put the item you want to donate into the donation box and hit donate. D'accord. Ok, des sets à compléter. Ok. Donc quand il y a ça, c'est que ça va au musée. Et j'imagine que quand la case est cochée, c'est qu'on peut qu'on l'a déjà donné. Il nous a filé un truc là, non? Ok, on a de l'argent. On a mis ça, a collection of sites falling in grace. Spring, a collection of fleurs trouvées en été. Et une collection de fleurs trouvées en été. Donc ici, on a les choses. Waouh, ok. Incroyable. Eh bien, il va y avoir du boulot, mais sacré, sacré musée. J'aime bien. Ça, j'avoue, pour la collection. Voilà, collectionnite, c'est assez incroyable. D'ailleurs, hop, nouvelle fleur. Et du coup, nous, on a aussi... alors, on peut pas consulter notre inventaire. Je trouve ça un peu chiant. Du coup, ça, on sait pas ce que c'est. Et le poisson ne se donne pas au musée. Ah, c'est quand on fait échappe. D'accord. Effectivement, le poisson ne se donne pas au musée. Alors, on a toutes ces infos. Je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas de menu, en fait. On va regarder ça ensemble. Donc, on est année 1. On est niveau 0. Au niveau 1, pardon. On a 816 de ça et 30 de ça. On est rang de ville ou bois. Notre équipement... Nos compétences. Alors, on peut pas voir les noms, mais bon. Et notre inventaire. L'équipement, justement. Alors, ça, la customisation du personnage. Ici, nos quêtes. Ici, le relationnel avec les PNJ. Il y a l'air d'avoir pas mal de PNJ. Ça, c'est cool. Et donc, si par exemple, on prend Baylor. On a les infos, son anniversaire, ce qu'il fait, célibataire. Ok, ils sont tous célibataires les premiers là. Comment on voit un célibataire d'un non-célibataire? À part le fait de cliquer dessus, j'en vois pas. Ok, ici les animaux. Ici les sorts. Ah, ça rend tout le... Ok. La carte.
Et là, le mana, avec toutes les ressources et les infos. Données au musée. Données au musée. Ok, parfait. Les options. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas des infos sur nos compétences. Une fois de plus, ça arrive de plus en plus dans les jeux, je trouve. On gagne des niveaux, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire, hein. Alors, le musée en lui-même, pardon. Est-ce qu'on peut un peu le visiter? Alors, dans la démo, peut-être pas. Je rappelle qu'on est sur une démo quand même, hein. Dans le jeu complet, il faudra voir. Bah, franchement, il est très cool ce petit Mist of. Ce petit Fields of Mistria, pardon. Dans ce sens-là, plutôt, le mot. Est-ce que je peux casser? Non, je peux pas. Là, faut se balader, faut farfouiller. On est actuellement ici. Là, on est revenu dans notre ferme. Il y a trois sorties hein, sur notre ferme. Qu'est-ce qu'on a là? Inspecter. Et donc en fait, là, est-ce que j'ai l'info? Oui, j'ai l'info que ça a été donné au musée. Là, pareil. Donc ça, à la rigueur, je peux le revendre. Et les wildberries, ça sert à quoi, hein? Dans les recettes. Mais c'est pas chez nous ça. C'est pas notre ferme ça, en fait. Notre ferme, elle doit être par là. C'est ça. Là, c'est un peu plus le bordel, hein. Clairement. Et donc en termes de craft, on peut pas faire grand-chose. Donc là, ce qu'on pourrait faire, il est quelle heure? 13h, c'est aller visiter la ville quand même aussi. Quand on est chez moi, là, j'ai une sortie à gauche, une sortie en haut. On est accueilli par Adeline. Alors il y a des requêtes, il y a un panneau de requêtes. Pour avoir du renom. Donc il y a un level de renom et un rang de ville. Et donc là,
se présenter aux habitants. Alors, elle aime bien les tulipes, Adeline. Et du coup, d'accord. Donc là, maquette, il n'y a pas de raccourci, je ne sais pas trop. Je vais me présenter à 22 personnes. Ah oui, quand même. Très bien, la boutique qui vend des graines. Je suis ici, on voit les gens, où est-ce qu'ils sont? Très bien, donc là on a croisé 4 personnes. Ah, les chambres sont variées, hein, au niveau de l'hôtel. Et à toi à qui je n'ai pas parlé. Et donc ici, on peut faire de la cuisine. À défaut de le faire chez nous. Est-ce qu'on peut prendre une quête en suivi? Alors j'ai pas l'impression. Alors ici il y a encore plein de gens que j'ai pas rencontrés, c'est assez bizarre. Ok, donc là, il m'en resterait un à découvrir. Donc il est forcément là-dedans. Et là, il n'y a personne. Ok. Donc là, j'ai découvert tout le monde. Il manque 3 personnes au nord et on est bien. En tout cas, en ville. Il y en a une qui est en train de se partir à gauche, là. D'accord, elle fait peur. Mais ici, il n'y a personne. Donc là, en ville, j'ai tout le monde. Du coup, au niveau de la quête, je suis à 19 sur 22. Très bien.
qui est plutôt pas mal. Il est 18h10, on est dans la deuxième journée in-game, hein. Il n'en resterait qu'une troisième à faire ensuite. Et donc là, j'avoue, on va descendre ici. Ici, en fait, on est chez nous. Très cool le jeu, moi je le trouve très sympa. Vous me direz bien sûr aussi ce que vous en pensez, les loulous. Hein. J'ai pas tardé à m'arrêter. Ici, je vois pas de PNJ, dommage. Dommage, dommage. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus, les loulous. J'attends vos retours de commentaires sur Fields of Mistria, savoir un peu ce que vous en avez pensé. Pour ma part, j'ai très bien apprécié. Je vais vous laisser là-dessus, les loulous. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!